Le ministre français des droits des femmes, porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, est en visite au Mali. Elle était l'hôte à déjeuner de son homologue malien, Sangaré Oumouba. Occasion pour les deux ministres de revenir sur la coopération qui existe entre les deux pays et aussi sur le rôle de la femme dans un pays en situation de post-crise. Dessy Soko, compte rendu. Discuter de la situation des femmes en général et de la femme malienne en particulier, mais aussi et surtout de leur rôle dans un pays en situation de post-crise, c'est ce qui a réuni les deux ministres en charge de la promotion des femmes autour d'un déjeuner. La ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, Sangaré Oumouba, tout en souhaitant la bienvenue à la ministre française des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a insisté sur les bonnes relations séculaires qui existent entre le Mali et la France. La France a été la première à intervenir techniquement, physiquement, moralement au Mali pour arrêter les groupes djihadistes. Ça, c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. C'est quelque chose qui va rester ancré dans la mémoire de tous les Maliens et particulièrement dans la mémoire des populations de Kona. La coopération entre les deux gouvernements, entre le ministère de la promotion de la femme au Mali et le ministère de la promotion de la femme en France, va consolider cet acquis. J'espère que nous allons coopérer et échanger et renforcer les liens entre les deux pays. Allant dans le même sens, Najat Vallaud-Belkacem a réitéré sa disponibilité à accompagner les femmes maliennes dans leur combat pour leurs droits et pour la reconstruction du pays, surtout que les défis à relever restent nombreux. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que nos deux pays sont intrinsèquement liés. Ils ont des destins communs et c'est aussi le sens de ma visite. C'est de vous dire que ce n'est pas simplement une histoire d'intervention militaire entre la France et le Mali. C'est important déjà, mais c'est aussi une histoire de construction commune, et en particulier sur un sujet qui nous est cher, les droits des femmes. Les droits des femmes, la promotion du rôle des femmes dans la société, et en particulier dans la reconstruction du Mali. Les femmes aux responsabilités, je pense que c'est une étape indispensable pour que le Mali se reconstruise dans de bonnes conditions. Et je serais très heureuse qu'on noue un véritable partenariat formalisé entre la France et le Mali sur cette question des droits des femmes. En guise de cadeau, Sangaré Oumouba lui a remis un livre intitulé « Bracelet d'Afrique » écrit par Tamaro Touré. Najat Vallaud-Belkacem pourra ainsi en savoir plus sur la signification des bracelets d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre.